lui permet de prendre la tête. Nikita Ignatiev, c'est un jeune russe, la Russie qui est en train de reconstruire une équipe redoutable. Elle a terminé quatrième lors des derniers mondiaux. Derrière la Chine, le Japon et les États-Unis, elle est en train de reconstruire une équipe avec plein de jeunes bourrés de talent, Ablyazin, Garibov, Belyavsky et Ignatiev qui n'a que 19 ans. Oui, un grand spécialiste des anneaux. Il a terminé 11e des derniers championnats du monde et peut voir la précision de ses forces qui sont tenues 2 secondes et parfaitement alignées avec par le code de pointage. Ici, la croix de fer. Et maintenant, il enchaîne les éléments d'élan, avec le Jonasson, Carpe, le Yamawaki, groupé et monté à l'appui renversé. Finalement, la sortie en double tendu avec une vrille, une sortie D. A vraiment un exercice de tout haut niveau avec des tenues de force qui sont vraiment parfaites. Oui, il est intéressant hein, ce jeune Ignatiev. La Russie qui longtemps s'est appuyée sur Golotsoukov, sur Korokordine. Cette fois-ci, il y a des jeunes et des jeunes de talent. Elle risque de faire mal cette équipe russe l'année prochaine au jeu. On voit ici l'hirondelle. On peut voir que ça ne bouge pas. Panayota. Et 15-400, c'est une super note là pour Nikita Ignatiev. Il prend bien évidemment.